j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du concours de mes 200 abonnés. Donc j'ai reçu, vous voyez comme vous voyez à l'écran en fait, à la vidéo, pardon, un carton. Donc je vais ouvrir, c'est la participation numéro 18 qui me vient d'une deuxième Elisabeth. Puisque tout à l'heure, vous avez vu une ouverture pour Elisabeth, mais c'était Elisabeth M, et là ça sera Elisabeth B. Voilà, donc bah, je vais ouvrir avec vous, j'ai juste prédécoupé parce que le carton était très dur. Et regardez ce qu'on découvre. Alors je vais ouvrir. Oh là là, ça a l'air d'être une énorme boîte. Attendez là. Ouf, beaucoup d'émotions à chaque fois pour vos ouvertures, mais là encore. Après la 18e, je crois que je suis toujours. Alors attendez, je vais ouvrir. Oh là 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 là, on va découvrir ensemble. Oh, que c'est sublime. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est une boîte. Oh là là. Oh, c'est très joli ta dentelle élastique, le petit bouton. Oh là 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 là. Le temps que t'as dû passer à faire ça, Elisabeth. C'est juste sublime. Oh là 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 là. Attendez, je vais enlever le. Je suis sans voix, je crois. Donc voilà. Attendez, je vais rapprocher pour que vous voyez mieux. Regardez-moi ça. Le papier est sublime, le papillon. J'aime beaucoup. Les feuilles, oh, c'est très doux, c'est du velours. Les fleurs, c'est voilà. Et regardez la tâche, comme c'est beau. C'est un élastique dentelle et très joli. Je suis curieuse, elle a mis des petits coins, elle est venue. Ça y est, voyez, j'en perds mes mots. Elle est venue à faire le contour de son papier avec avec de l'encre violette. Alors regardez, hop. Elle a remis des petits coins en bas. Voyez. De chaque côté, la boîte est juste sublime. Le papier aussi, je ne sais pas où tu l'as pris. C'est juste sublime. Alors, tout est assorti, bien évidemment. Allez, allez, on ouvre. Allez. Waouh. C'est sublime. C'est sublime, sublime. Alors, bah, elle m'a fait des fleurs, mais bon. Oh là 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 là. Bon, on va faire au fur et à mesure parce que sinon je vais être. Waouh! Regardez les fleurs qu'elle m'a faites. Vous me faites tous des fleurs de fou. Moi j'en fais des tutos, mais alors j'ai fait un tuto pourri quand je vois vos fleurs. C'est juste sublime, j'ose pas les sortir. Regardez-moi ça, il y a des paillettes, tout ça. Alors est-ce que c'est encore un dice de chez Hertfeld? Mais même avec les dice normaux, vos fleurs elles sont magnifiques quoi. C'est sublime, 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 sublime. Et il n'y avait pas que ça dans la boîte. Donc du coup je pose des fleurs à côté hein, parce que je suis. Hein, wow, j'en ai partout. Ah, il y a une fleur qui a dû partir. Alors, hop. Donc je vais fermer ma boîte. Ce que je vous propose, c'est que je remette dans la boîte. Alors il y a une petite fleur qui est partie. Ça ressemble aux belles fleurs que m'avait faites aussi. Une autre abonnée. Lorraine. Regardez, c'est sublime. Je l'ai remis dedans. Je pense qu'elle est partie en fait, la fleur. Tu me diras, ou alors elle allait peut-être ailleurs. Je vais le remettre tout de suite. Je suis désolée pour le bruit. Dans le paquet des fleurs. C'est juste sublime. Oh là 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 là. Énorme, énorme. Alors, elle est venue me faire. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est avec du papier calque. Alors, ça, je ne sais pas faire du tout. Et je suis admirative parce que je ne sais pas faire ça du tout. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, tu en as fait sur si je me trompe pas, il me semble que tu as une chaîne et il me semble que tu en as fait en démo sur ta chaîne. Je me trompe peut-être. Donc c'est de la dentelle sur papier. Voilà, cherchez le nom. Donc regardez ce qu'elle m'a fait sur de la dentelle sur papier. Je ne vous dis pas le temps. Hein.
Regardez-moi, c'est des petits trous en fait qu'on vient faire et on colorise. Enfin, des petits trous. C'est quand même super technique. C'est super joli. Super joli. D'ailleurs, il me semble que tu as une chaîne, mais ça y est, j'ai perdu le nom. Bah, si ça me revient, je le dirai. De toute façon, quand je referai le point, toutes les participations, c'est juste sublime. Ça, je sais pas faire et je suis super admirative. Je la mets pour comme ça la regarder. Donc elle est venue me faire une memory dex. Regardez-moi ça, ce travail, comme c'est beau. Regardez ce papillon, la finesse du travail, c'est waouh. Regardez-moi ça, les fleurs, les feuilles, c'est sublime, c'est sublime. Donc du coup Elisabeth B, elle aime les loisirs créatifs. Elle aime bien les couleurs pastel, le chabi. Donc c'est de la dentelle sur papier, c'est ça, du Pergamano, si je me suis pas trompée, si j'ai bien lu. C'est sublime ça. Alors là, c'est sublime. Là je reste admirative. Du coup je la range parce que c'est tellement beau, j'ai peur que ça s'abîme. C'est sublime. Merci énormément. Vous me faites découvrir des choses que je ne fais pas. Moi, j'ai un petit scrap. Au final, quand je vois toutes les jolies choses que vous faites, c'est terrible. Alors, je crois que je vais la rentrer dans l'autre sens parce que je vais pas y arriver. Voilà. C'était peut-être dans l'autre sens, remarque. Hop. Je ne vais pas l'abîmer, c'est tellement beau. Je la remets dans la petite boîte, du coup. Hop. Et j'ai une jolie pochette. Très très jolie, regardez. Une image crochetée avec un petit nœud ours. Ça, je suis fan. Je sais pas faire. Il va falloir vraiment que j'apprenne. Un petit nœud, regardez-moi ça. Un petit cœur. La dentelle tout autour. C'est sublime. Et des fleurs. Très 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 jolie. Des petits strass. Oh là là, moi j'aime beaucoup. Alors attendez, je vais enlever la magnifique boîte. Tout est beau. Tout est magnifique. À chaque nouvelle participation, c'est une découverte de plein de choses, c'est sublime. Donc du coup, elle m'a mis des petits cœurs derrière. Je vais ouvrir. C'est une petite pochette, vous voyez. Hop, avec un petit scratch. Voilà. C'est mon petit mot dedans. Donc vous ne saurez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser profiter de toutes ces jolies choses en image. Et puis je vais en profiter pour lire le mot. Donc elle me félicite pour mes abonnés. C'est pas évident d'avoir beaucoup d'abonnés. Bon, en fait, quand j'ai ouvert ma chaîne, je pensais même pas en avoir 200. Je crois qu'on a même dépassé, si je me trompe pas, la barre des 300. Donc voilà. Donc c'est une première memory dex qu'elle fait. Bah dis donc, elle est juste sublime. Et après, elle me dit que ce qu'elle a fait pour la memory dex, c'est de l'art du parchemin. Et la boîte, c'est celle que j'avais fait pour un tuto, pour le masque. C'est vrai. Maintenant que tu me le dis, c'est ça. Ah bah là, je vais m'en servir comment? Oh là là là, je vais la mettre en exposition, puis je vais y mettre des petits trésors très précieux dedans. C'est magnifique. Ça y fait plaisir de les offrir. Moi, ça me fait super plaisir de les recevoir. C'est juste magnifique. Eh oui, voilà, je le savais. Qu'elle avait une chaîne, mais ma mémoire et moi, c'est Lisa Créa 72. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, c'est Lisa Créa 72. Excuse-moi, mais c'est vrai que moi et la mémoire, entre les noms, les prénoms, et puis après les chaînes, comme des fois, c'est pas souvent les mêmes noms, et ben j'ai du mal. Et c'est vrai que je t'avais envoyé une création de Noël, j'avais eu des soucis de santé, je t'avais envoyé une création de Noël, en retard, très en retard pour ton concours. Ben écoute, c'est très gentil à toi, merci Elisabeth. Et tu es la participation du coup numéro, j'ai dit, 18. Et puis je te souhaite bonne chance, comme à toutes les autres participations. Et merci encore de tous vos belles créations, c'est juste magnifique. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse mes petites fabriques et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye !